petite différence énorme entre partie de Nan de Bouda, partie de Paul Béranger, partie de Duval, PMSD, ou partie de Badin, parce qu'il nous fait cause l'espoir, là. Mm-hmm. Okay, c'est l'alliance, l'espoir. D'après ce qu'ils ont tout là-dedans, c'est un leader autoproclamé. Donc Nan de Bouda, on écoute quelques bribes sur l'intervention, l'autre jour, et ben oui, c'est le leader du rassemblement mauricien. Mm-hmm. Donc, dans une partie qui est supposément démocratique, pour quelqu'un qui peut prône la démocratie, on entend beaucoup de fois la démocratie, accountability, transparence, etc. Donc, quand on autoproclame ou même leader d'une manière causée, c'est ce qu'on comprend, il commence déjà à avoir un modèle de démocratie d'une partie politique. Pour moi, ça, c'est un, ou tout, même ça fait qu'il les autres. Un. Deuxième chose, l'échiquier politique, mais au plus important, c'est Maurice en 2040-2050. Okay? Donc, Nan de Bouda est dans la politique active, on ne connaît pas plus qu'il 30 ans, d'après ce que je comprend, en tant que secrétaire général pendant très longtemps aussi. Honnêtement, je ne pas trouve un ancien qui est là depuis toute ça l'année-là dans une partie comme MSM, qui a découvert l'Amérique, le OMAP. Donc, pour moi, l'espoir, pareil. Ok, c'est un habitier roule, comment c'est un habitier roulé. Bah, pour qu'il y ait un encore une fois, bah, nous guetter. Comment ça va se passer? Ça va venir nous dire. D'accord, peut-être nous écoute Jean Duman pour qui pour l'impact politique de Nan de Bouda et de ce parti, bien sûr, le Rassemblement mauricien. Écoutez, Libon, qui Nan de Bouda, il trouve lui dans un rassemblement, l'espoir, l'union, on ne pas trop connaître l'alliance. Mais n'oubliez pas oublier que Nan de Bouda est déjà là, l'épiline quittée. Mais ça, c'est une formalise avec ce parti politique. L'impact politique qui s'appuie dans l'échiquier. Il y a un petit peu prématuré, mais mon papa trouve ça grand changement qui peut qui ça rassemblement mauricien pour amener.